j'espère que vous allez bien. Ce petit mercredi, on est le 9, il est très tard puisqu'il est déjà 15h20. Ce matin, ça a été brin de ménage, pas mal de trucs à faire. J'avais des formations à rattraper, tout ça. Et on a fait les devoirs avec les petits, machin, repas du midi, tout ça. C'est passé relativement vite. J'étais en train de rattraper une seconde formation là et j'ai Shirley qui m'a appelée parce que ce matin, elle s'est fait mal en sport. À l'école, ils ont fait foot en fait, et au moment où elle a tapé dans le ballon, bah, y a quelqu'un qui a mis le pied devant, donc elle s'est pris bien fort le pied. Sauf que elle avait hyper mal à l'orteil, enfin au pied, et que bah, ça devient bleu. Donc là, ils m'ont appelé pour que j'aille la récupérer, et on va aller bah, direction les urgences pour faire sûrement une petite radio, voir un peu ce qu'il en est, voilà, quoi, qu'est-ce, comment. Que je vois un petit peu aussi son pied dans l'état qu'il est, et puis voilà, on va bien voir. En plus, on a un temps de merde, il pleut, alors il n'a pas plu depuis ce matin. Et puis là, au moment où je suis partie, ça s'est mis à dracher de fou. Je me suis dit ok, là ça s'est un peu calmé, mais bon voilà, la route elle est mouillée, tout ça, donc franchement, j'aurais préféré largement rester à la maison tranquille quoi, que sortir sous la pluie, courir à gauche à droite. Je sais même pas où je vais aller. Est-ce que je vais à Avignon, est-ce que je vais à Cavaillon, est-ce que... Je sais pas, on va voir. Je vais déjà la récupérer, voir dans les taxis et puis on avisera. Du coup, je suis avec Charlie. Je l'ai récupéré. Je vous fais pas voir son pied parce que non. C'est Bagdad. Son pouce a triplé de volume. Il est violet. Donc on va à l'hôpital d'Avignon carrément parce que voilà. What's it like? Bon, nous sommes rentrés. On s'arrêtait au Burger King avant parce qu'il est déjà 8h30. Du coup, il n'y a rien de cassé. Donc ça, c'est une très bonne chose parce que c'est vraiment pas beau du tout. Ils y ont cru aussi, hein, mais non, il n'y a rien de cassé. Par contre, c'est une grosse entorse. Donc, 10 jours de repos et puis après, on voit l'avancement. Ils ont dit, voilà, faut surtout faire attention et tout parce que, entorse mal soignée, si elle fait des efforts dessus ou quoi. Elle est en train de monter sur le cul les escaliers. Tu... C'est en train de se... J'en ai marre. T'as de la chance que je t'affiche pas, ma fille. Et donc, à part du repos, elle a une crème à mettre dessus et tout, mais bon, là tout était fermé au niveau des pharmacies, donc demain il faut que j'aille lui chercher. Il y a une botte aussi à mettre et tout, où elle peut mettre son pied pour pouvoir marcher un petit peu sans galérer. Enfin voilà, il y a des antidouleurs, machin. Donc là, ils lui en ont donné avant de partir, donc ça va aller. Dans la nuit, si elle a mal, elle peut prendre un doliprane, et puis demain matin, j'irai chercher tout ça. Il faut qu'elle rappelle le lycée, du coup, demain matin, pour faire la déclaration, machin, tout ça. Là, j'ai l'accident de travail qu'ils lui ont rempli. Enfin, voilà, quoi. Parce que du coup, quand elle est au lycée, en fait, c'est considéré comme si elle était au travail. Donc c'est comme un accident de travail. Donc, demain, il faut qu'elle raconte à la CPE comment ça s'est passé pour qu'elle fasse la déclaration, machin, tout ça. Ah, et puis, voilà, quoi. Donc, écoutez, une après-midi... aux urgences, merveilleux, tout va bien. Maintenant, ça va être démaquillage, douche, dodo. Je vous jure que je vais me coucher maintenant parce que je suis chaotechnique. Il n'y avait pas de chaise en plus. Alors au début, il y avait des chaises, mais après, il n'y avait plus de chaise, donc je suis restée debout tout le long de l'attente. Il n'y avait pas de chaise dans le box avec elle. Voilà. Je crois que c'est les nouveaux trucs. T'as encore mal à ta jambe, toi? Oui. C'est musculaire, hein, t'as dû te claquer quelque chose de toute façon. Faut que tu reposes ton muscle un maximum. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on regroupera ce vlog avec celui de demain. Parce qu'il n'y aura pas grand-chose là, mais voilà. En tout cas, je vous dis à demain. Coucou les amis, en ce petit jeudi, veille de férié. J'ai hâte, je vous avoue, pour pouvoir dormir un petit peu demain matin. Parce que ce matin, le réveil a été très, très compliqué. Pourtant, on s'est couché tôt hier. Hein, on a été, voilà, quand je vous ai laissé, je suis montée prendre ma douche, me démaquiller, tout ça. D'ailleurs, j'ai fait une découverte d'un produit que j'avais eu, vous savez, dans la box qu'on avait eu en cadeau lors du meet-up. Joli moi, qu'on avait été, on avait eu 400€ de cadeau de... 400€, je ne sais plus parler. 400€ de produit, voilà, en cadeau. C'est ça que j'allais dire. Cindy, tu vas y arriver. C'est dur ce matin, c'est dur. Ça se voit, de toute façon, je ne vais même pas maquiller ni quoi que ce soit. Ce matin, j'ai carrément repoussé le réveil pour pouvoir dormir un petit peu plus. Bref,
J'ai fait une découverte. On avait eu une huile de soins Biradiance. C'est une marque que je ne me suis jamais trop penchée dessus. Je sais que c'est une marque qui est remplie de probiotiques pour la peau, pour pouvoir rééquilibrer, etc. Qui marche très très bien quand on a de l'acné. Et on avait eu cette petite sorte d'huile qu'on peut mettre en soin, qu'on peut mettre en masque, qu'on peut mettre en base de maquillage et qu'on peut utiliser en démaquillant. Et moi, comme je n'ai plus de baume, vous savez, du petit prodige que je prends d'habitude, mais qu'il va falloir que j'en reprenne parce que ben, là, les mains commencent à être sèches, les lèvres, hier j'en ai mis à Maïs parce qu'elle avait les lèvres trop trop sèches, tout rouge et tout, donc je lui en ai mis. Il me reste vraiment juste le contour du baume, bref. Et je me suis dit, pour me démaquiller, je n'ai pas usé ça, je vais utiliser pour Maïs, pour ses lèvres, et je vais tenter de me démaquiller avec cette huile. Mais quelle pépite, les gars! J'ai humidifié juste mon visage, j'ai mis même pas la moitié d'une pipette dans ma main, j'ai exfolié tout mon visage avec. En 2 secondes, ah, ça c'est le réveil, il faut aller au bus. En 2 secondes, tout est parti, mais genre hyper rapidement. D'habitude, avec le baume des petits prodiges, il faut quand même que je frictionne, que je chauffe la matière, que ça se transforme bien en huile pour pouvoir décrocher tout sur mes yeux et tout. Vous savez, le mascara surtout et tout. Là, avec celle-ci, ça part en 2-2. À peine je fais ça, j'ai pas besoin de m'arracher les yeux et tout. Franchement, je suis refaite. Je suis refaite. Comme quoi, ça fait bah, des mois. Hein. Ça fait 2 mois maintenant, je crois, qu'on a été au meet-up, que c'est dans le placard et que ben, je ne m'étais pas encore lancée. Ben, j'avais des trucs à finir, de toute façon, donc je n'avais pas... voilà. Mais là, je suis trop contente. Bref, je vous ferai voir ce que c'est exactement. Mais là, pour l'heure, c'est l'heure de mettre la gourde de Maïs dans son sac et de l'amener au bus. Je vous ai pas repris depuis ce matin, il est presque midi. J'ai pas encore déjeuné, rien du tout. Il y a 14h, j'ai rendez-vous chez la kiné. Bref, puis ce matin, c'est la course complète. Je suis obligée de faire plein de paperasses pour Shirley par rapport à l'accident de travail, tout le bordel, machin, parce qu'elle est quand même elle a sa carte et tout, mais elle est quand même rattachée à moi. Donc il faut demander à ce qu'elle soit plus, enfin qu'elle soit rattachée, mais détachée à la fois. Enfin, très bizarre, pour qu'elle puisse toucher ses indemnisations d'accident de travail, sinon elle ne le touchera pas si elle est sous moi. Gros bordel, quoi. Donc du coup, il a fallu que j'aille à son école, qu'il fasse les photocopies des papiers, qu'il déclare à l'accident, comment ça s'est passé hier et tout. Ensuite, je suis repartie à la maison, j'ai fait des photocopies, des machins, imprimé le formulaire qu'il fallait remplir, machin, qu'il m'a dit le monsieur au téléphone et tout. Imprimé les documents à joindre avec. Là, je viens d'aller à la poste pour pouvoir vite aller poster et que ça parte aujourd'hui, parce que ben, il fallait que ça parte aujourd'hui, puisqu'on a 15 jours pour envoyer les papiers. Enfin bref, là je vais rentrer, je vais aller pisser, depuis tout à l'heure j'ai envie de faire pipi de fou, boire parce que je n'en peux plus, vraiment, et manger un petit bout avant de repartir chez le kiné. Ah, quelle vie. Ah, ben, enfin bref, tous ces papiers sont faits. Donc c'est l'essentiel, parce que je voulais que ce soit vite fait. Moi j'aime pas traîner, dès que j'ai des papiers à faire, des dossiers, des machins, il faut que ce soit fait tout de suite, sinon psychologiquement c'est compliqué. Donc là je me dis c'est fait, c'est bon, on est tranquille. J'ai plus qu'à scanner à ses patrons, l'accident de travail, tout le bordel. Et voilà, on sera bon. Par contre il me faut trouver un beau sac à dos pour femme, parce que ça c'est plus possible. Ça me déboîte l'épaule. Je change d'épaule et tout à chaque fois, mais ça me fait trop mal. Alors, du coup, il est 14h, je file à mon rendez-vous chez la kiné. Et dès que je sors de là, je file prendre juste du pain pour les tostinettes de ce soir. Et voilà. Voilà, voilà, c'est des clopes, mon chéri. Et voilà, après je rentre tranquillou. Du coup, ça ira vite en plus, puisqu'il n'y a pas les devoirs à faire ce soir. Je préparais les tostinettes à l'avance. Et comme ça, on sera tranquille. Bon, du coup, les amis, moi, je suis en train, chpouek, d'emporter la vidéo d'hier. Lui,
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu te sens bien dans ta tête? C'est exactement ce que tu disais avant. Ah! Il sourit tout seul devant son téléphone comme un trou du cul, regarde une série et il rigole tout seul. Oh, il le met à la télé en plus. Ah, mais il n'y a pas la Comcast. D'accord. Bon, bref, je suis allée chercher le pain pour ce soir aussi à Aldi, vite fait, en sortant de mon rendez-vous. J'ai trouvé ça au Aldi. C'est de la bombe qui tue. Vous mettez le nez dedans, franchement, c'est difficile de s'arrêter. Mais j'ai réussi à arrêter. J'ai pris 50 grammes. J'ai calculé mes petites calories, etc. Et j'ai pris deux trucs comme ça. Parce que ça aussi, c'est trop bon. C'est de la merde, hein, clairement. Hein. Mais c'est trop bon. Et donc, du coup, j'en ai pris deux aussi. Et ce soir, je vais me faire des légumes. Ou peut-être même une petite soupe juste pour moi, vite fait. Et ils vont manger des tostinettes. Ou alors non, une salade. Puisque vous allez manger avec la salade, avec les tomates. Donc, je me ferai une petite salade tomate pour moi aussi. À la place d'une soupe. Et pourquoi tu me filmes moi pour leur dire ça? Je sais pas. Comme ça, ils voient ta tête. Il faut que tu ailles chez le coiffeur. Ouais, j'ai prévu d'y aller la semaine prochaine. La semaine... Ah bah oui, là, c'est férié. En plus, on s'est fait niquer, du coup. Donc, bref, il faut qu'il aille chez le coiffeur. Et voilà. Demain, férié. Du coup, bah, Charlie devait travailler. Et voilà. Mais j'ai pas de nouvelles de ses patrons. Je leur ai envoyé un texto hier quand j'y étais. Deux fois. Je leur ai envoyé des mails aujourd'hui avec les papiers du machin et tout. Mais comme je sais qu'ils étaient partis, enfin, qu'ils sont fermés pendant quelques jours, ils sont peut-être pas partis en vacances, ils reviennent. Ils vont avoir une sacrée surprise quand ils vont revenir. Elle était dégoûtée, la pauvre. Elle me dit, mais mes patrons, en plus, il manque quelqu'un en cuisine, mais comment ils vont faire? Elle pensait aux autres, en fait. Elle pensait pas à sa douleur-là, là, sur le coup, elle était dégoûtée, une bichette. Une conscience professionnelle. Ouais, mais purée, la pauvre, elle était dégoûtée. Puis là, c'est vrai que ça arrivait connement, quoi. C'est pas un truc, c'est pas elle a fait la con, elle a fait. Okay, c'est ça, mais même ce matin, le gars là de la CCI, j'ai dit, quand j'ai vu son pied, je suis restée con, parce que bon, on l'a déjà eu fait tout ça. Je disais que quand elle a enlevé sa chaussette, je sais pas pourquoi ma caméra elle coupe comme ça, de temps en temps, toute seule. Ouais. Mais que la première truc vidéo. Après, quand je reprends là, je peux parler pendant je sais pas combien de temps, ça le fait pas, je comprends pas. J'espère qu'elle va pas me lâcher celle-là aussi, parce que je vous jure là, je me pends, voilà, clairement. Mais je disais que du coup, moi, j'avais pris peur. Parce que il est trop long par rapport au reste de ses doigts. Donc, c'est lui qui prend tout. Il n'y a pas de... Non, mais vraiment, son pouce, il était dans un état. Quand elle a enlevé sa chaussette, j'ai fait... On va aux urgences tout de suite. Elle n'a pas voulu que je vous fasse voir. Mais alors, je vous jure que son pouce... Et puis, ça monte vachement haut, en fait, sur le pouce, jusque là, là, au niveau du pied. Bref, il faut que j'y remette la crème ce soir, d'ailleurs. C'est bientôt l'heure d'aller chercher les loulous. Donc, je me dépêche de programmer le vlog et tout. Et comme je vous ai dit, de toute façon, ce soir, c'est les tostinettes. Donc, ce sera rapide. Il n'y a pas besoin de faire les devoirs aujourd'hui, puisque ben, demain, c'est férié. Donc, on va le prendre cool. Dès qu'on va rentrer, ben, je vais préparer les tostinettes. Je les mettrai dans le four. Il n'y aura plus qu'à allumer. Comme ça, au moins, tranquille. T'as pas peur que le pain prenne le... Il prend quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'il prenne, le pain? Non. On ne parlait pas de la même chose. Bon, du coup, allez, les tostinettes et tout, c'est prêt. Bah, le chéri s'est fait une petite tartine comme ça, mais carrément en mode sandwich qui va être croustillant, lui. Là, on a sel aux chèvres. Bah, comme d'habitude, hein, franchement, on met une petite cuillère de crème fraîche sur le dessus du pain. Les rondelles de tomates, on pose le jambon cru, on met les fromages dessus. Un petit peu d'herbe de Provence et hop, ça va au four. Vous pouvez mettre de la moutarde aussi, au fond. Moi, j'aime bien avec la moutarde aussi. Donc voilà, il y en a qui ont fromage à raclette, maïs gruyère avec fromage à raclette, il y en a qui ont voulu chèvre, voilà quoi. Donc on met tout ça au four et voilà, tout est prêt, on est tranquille. Du coup, quelle heure il est? 5h30, Alison est quasiment là. Fin de journée pépère, je pense qu'on va vous laisser là parce que ben, au moins ça me permet de monter le vlog de bonne heure. Et puis, il va rien avoir de bien faramineux d'ici là, quoi. Je vais aller mettre ça dans mon four et basta. Faire la petite vaisselle qu'il y a là, ranger un peu le bazar, remettre un peu en ordre la cuisine. Et puis, on sera bon. Du coup, on vous retrouvera demain. Ça va être une journée cool parce que, bah, du coup, Charlie, je viens d'avoir ses patrons, ça y est. Charlie, bah, du coup, elle est en arrêt hein, pendant 10 jours, donc elle ne travaille pas. Il n'y avait que elle qui travaillait puisque bah, demain, c'est férié. Donc, on va pouvoir bah, faire un petit dodo. Et puis, on a tout le bas à faire demain matin. Et demain soir, on est invité. On va chez ma copine Mélissa.
Donc, pas la marraine à Maïlis, hein, une copine qui habite ici aussi. Et on va se faire une petite bouffe. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça va faire du bien. Et voilà quoi. Voilà. Ça va être une journée tranquille. Je crois qu'en plus, ils annoncent de la pluie. Ou je crois qu'ils annoncent pas du beau temps demain. Me semble-t-il. Je vais regarder en même temps. Mais il me semble que demain, ils annoncent pas du beau temps. Donc ça va finir en après-midi devoir et regardage de télé, ma choupette avec son pied là. Ça la gêne la chaussure en fait quand elle marche. Ah non, demain ils annoncent du beau temps. Ils annoncent du beau temps. Donc autant on ira faire marcher un peu les petits. Je sais pas, on Le verra. soir? Non, l'après-midi, folle, le soir on est chez Mel. Ben oui. Il y a Morgane qui vient aussi, la meilleure amie à Alison qui vient faire dodo demain soir. Voilà, donc ça va faire de l'animation. Elle vient jusqu'à 10. Qu'est-ce que. Non, mais elle est couillon cette gosse. T'as cru que c'était un patch pour le fond? Le bout. Mais c'est normal, Non, regarde, pas la le chaussure, bout, elle est en comme là. ça. Ça là, j'arrive Parce pas, que j'ai c'est. mal. Eh bien, parce que c'est gonflé, mon cœur. Mais c'est pas grave. Ben si, c'est normal. Oh, 10 jours ici. Je sens que je Non, vais mais je la sors, je suis pendre. là. Voilà. En plus, elle a les nerfs de ne pas pouvoir aller travailler, du coup. Donc, elle est un peu chiante. Voilà. Mais bon, allez. Du coup, je vous fais des bisous. Ah, oh, et moi, j'ai fait tomber le papier. Donc, du coup, je vous fais des bisous. Et ben, on vous retrouve demain. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et des gros bisous. Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite!